Beau matin à toutes et tous, eh bien on se retrouve pour une nouvelle semaine, dernière semaine de ce mois de juillet. Nous sommes lundi 29 juillet 2024, j'espère que tout va bien pour vous et puis que vous avez passé un joli week-end. Et pour celles qui finissent leurs vacances, eh bien j'espère que vous avez passé de belles vacances. On continue, on va terminer, n'est-ce pas, avec l'oracle de l'intuition et de l'action. On terminera avec la petite pensée positive, mais avant de commencer, n'est-ce pas, petite philosophie du matin. Aujourd'hui, ouvrir ses volets. En été, ouvrir ses volets le matin pour accueillir un nouveau jour et la lumière à bras ouverts est un geste positif et plein de promesses. Et bien voilà pour cette petite philosophie de ce matin. Bien aujourd'hui, j'ai pigé accepter le chaos. Ah, ça c'est pas facile, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, est-ce que vous sentez que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va peut-être trop vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Quelquefois, on doit passer par des chaos pour refaire surface. Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? Bonne question, n'est-ce pas? La vie est une dualité. Eh bien, entre le calme et le chaos, la vie serait monotone si nous étions inertes ici sur Terre. Accepter cette réalité, eh bien, vous apportera une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Vous savez, il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver, eh bien, pourquoi pas une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Oui, on ne peut pas toujours être au-dessus. Il est temps, pour certains d'entre vous, d'être un peu plus indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Alors, le chaos, eh bien, il peut être une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir tout simplement d'un bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Et pourquoi pas d'apprendre à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Alors il est vrai que, voilà, moi aussi, j'ai passé des moments de chaos, mais c'était pour mieux rebondir par après. Vous savez, le phénix, il renaît de ses cendres, n'est-ce pas? Et on peut être dans un chaos vraiment, voilà, on se dit, mais oui, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Tout s'écroule autour de moi, à l'intérieur de moi. Eh bien, vous avez des forces cachées que vous n'avez même pas conscient que ces forces sont là. De baisser en tous les cas, pas les bras, accepter
adapter. Vous allez grandir de ce chaos parce que vous allez vous battre, vous allez trouver des solutions. Et c'est tout en votre honneur. Ayez confiance en vous. Vous allez vous en sortir. Rituel du chaos. Pour certains d'entre vous, eh bien, faites une liste de responsabilités et ensuite, eh bien, éliminez, diminuez ou déléguez certains aspects de celle-ci afin de vivre un peu plus en équilibre, n'est-ce pas? Et pourquoi pas trouver des trucs simples à appliquer pour vous sortir de cette impasse. Le plus simple, eh bien, serait d'apprendre à dire non à ce qui est de trop dans votre emploi du temps. Ainsi, eh bien, vous réduisez les interférences et vous adoucissez le chaos que vous vivez présentement. Et surtout, n'est-ce pas, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, elle vous envoie des messages pour vous guider à travers cette situation. Mais malheureusement, vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes dans le chaos. Prenez des moments pour vous déposer et pour vous connecter au langage intuitif en vous. La solution que vous cherchez, elle s'y trouve. Alors peut-être vous dire, ben oui, moi, alors Joséphine par exemple, je suis là pour apprendre à mieux gérer le chaos dans ma vie. Et trouver ces solutions. Vous allez en trouver. Vous allez vous redresser. Même si vous vivez une situation très difficile ou très douloureuse, vous allez vous en sortir. Et par la même occasion, demandez à votre ange de vous aider dans ce chaos. Très beau message, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Alors, pour pensée positive, je suis l'instrument de l'autoréflexion cosmique. Au cours de centaines de millions d'années, eh bien, l'univers s'est divisé maintes et maintes fois afin de refléter son propre mystère. Voilà la pensée positive aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.